Eh bien c'est tout le monde de Chastrit, c'est Bassla, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel épisode de ma série présentation de vos ressources packs. J'espère que tout le monde va bien parce que ça va très très bien. Aujourd'hui je vais vous présenter le pack qui se nomme le Kexin Faithful, qui a été fait par je ne sais pas qui. Donc en fait je vous explique, aujourd'hui j'ai regardé un peu les packs que vous m'envoyez. J'en ai pas trouvé des gros, enfin des bons, il y en a pas beaucoup d'intéressants, et aussi surtout je vous avoue que j'avais la flemme de regarder tous vos packs un par un. Et donc du coup aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un pack que j'ai gratté sur une vidéo d'un anglais, et je le trouve super bien comme pack UHC ou même d'autres modes de jeu. Et du coup pourquoi pas de temps en temps, voilà, quand j'ai un peu la flemme, ou alors que moi j'ai trouvé un pack franchement qui m'a fait kiffer, vous le présenter, même si c'est pas un pack qui vient de vous les big subs, même si à la base je suis censé présenter des packs qui viennent des big subs, mais bon voilà. Autant je voilà présenter un pack qui m'a fait kiffer, ça a été un coup de cœur, que présenter un pack certes ce sera un big sub mais moins bon quoi. Donc voilà, du coup il y aura bah du coup pas sa chaîne au mec, j'ai essayé de regarder sur YouTube un peu, j'ai marqué Kexin Faithful pour voir si je trouvais le mec qui avait fait le pack. J'ai pas trouvé, donc nique sa mère celui qui l'a fait, tant pis pour lui. Et voilà, donc on va commencer par l'épée en bois, l'épée en stone, en gold, en iron et en diamant. Donc franchement les épées elles sont pas ouf, mais pour PVP et tout franchement elle pète sa mère. Voilà pourquoi je présente le pack aujourd'hui. Puis il y a d'autres trucs en fait pour l'USC, il est super bien comme pack. Après bon voilà, vous pouvez jouer avec, vous pouvez vous en servir pour d'autres trucs hein. Vous, voilà, vous connaissez les bails, mais pour l'USC il est fou. Donc du coup les sous, bah voilà on s'en bat les couilles hein, comme d'hab. L'arc qui est dans le turfu, l'arc je l'aime bien aussi. La boussole. Voilà, donc là il y a quelques items, il y a la canne à pêche, moi je l'ai kiffé sa mère aussi, Théma mon pote, il y a le gros hameçon comme je kiffe. Franchement limite il faut toujours qu'il y ait que cet hameçon là maintenant pour que je kiffe le pack. Franchement quand il n'y a pas cet hameçon là dans les packs UHC j'aime pas, celui-là il est vraiment, enfin je kiffe trop pour pouvoir jouer à la rod. À la rod bah franchement cet hameçon là il est bien gros et tout, il pète sa mère, je joue trop bien quand bah voilà il y a cet hameçon là. Je raconte ma vie. Du coup là pour les items, là les donc c'est du Faithful Edit hein, voilà de toute façon ça s'appelle Kexin Faithful. Il a juste changé les items en diams qui sont super stylés je trouve. Voilà donc là les armures, les pommes d'ailleurs hein, je vais vous montrer aussi. Voilà les pommes en or, vraiment stylé la pomme rouge. Tac, je vais vous montrer les armures, les armors. L'armure en diam parce que je kiffe bien sa mère aussi. Voilà comme vous pouvez constater. Je vous montrer, je vais faire une petite séquence PVP après sur Badlion. Bah comme d'habitude vous verrez genre l'ensemble, genre les pommes, la canne à pêche, l'arc, l'armure, l'épée en diam, enfin tout ce qui va avec, ça rend trop bien sur le pack. Vous allez voir franchement il est super pété de sa mère. Donc du coup maintenant je vais vous montrer l'eau. L'eau qui est super, enfin qui reste du Faithful mais il l'a, mais qui est bien clair. Là les potions, voilà, et là les particules, donc les particules qui sont bien grosses et tout ça, merde j'aime bien. Ça c'était quoi, ça c'était coup critique, ouais, maintenant sharpness et le tout, voilà. Les minerais que j'ai changé parce que en gros ils étaient buggés, c'était bizarre, donc c'est un big sub qui me l'a fait sur Twitter, je crois que c'est Storm d'ailleurs, donc petite dédie, voilà. Donc attends, on va faire comme ça pour les minerais. Tac 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 et voilà. Donc tu vois que c'est tout beau, c'est tout mignon, comme dirait le potosei. Les minerais sinon bah là vous pouvez voir le diamant qui sont comme ça, tout ça, voilà. Le diamant qui est super beau, j'en ai. Voilà c'est tout. Maintenant on va montrer les blocs, mais je crois que les blocs y a rien de fou, c'est du Faithful. Si je dis pas de conneries, ouais. Et voilà. La table d'enchant aussi qui est plutôt pas mal, qui est plutôt sur Gelogi. Le panorama aussi, j'aime bien le panorama. quand tu joues bah ouais, quand tu joues en normal et tout, les nuages franchement ça rend super bien en rendu. Le ciel qui est fait de sa mère aussi. J'ai changé aussi la light map pour que dans les grottes on voit clair, il n'y a pas besoin de torches. Donc bon, en gros j'ai changé juste un ou deux petits trucs sur le pack, mais sinon bah, le pack il reste original. Et voilà, il est dans le turfu ce pack. Donc voilà, j'espère que vous aurez kiffé. Je vous le mets dans la description avec tout bien modif, genre les minerais plus la petite light map dans les grottes, vous inquiétez pas.
Du coup, bah, il n'y aura pas de chaîne d'auteur hein, pour aujourd'hui. Mais voilà. Du coup, je fais plein de bisous partout. Je vous souhaite un bon visage pour Séquence PVP. On se retrouve demain, normalement, pour une nouvelle vidéo. Ouais, demain, je vais vous faire un petit UHC Kill Highlight. Je crois que ça fait un petit moment. Et en plus, je vous le dis, tous les prochains UHC Highlight, là, tous ceux qui sont sur mon bureau, c'est que du lourd. Du lourd, lourd, lourd. Mais vraiment, je fais que des UHC de bâtard maintenant. Genre, c'est plus comme il y a 5 mois ou quoi. Donc voilà, je vous raconte pas ma vie. Demain, il y aura normalement ça comme vidéo. Et ce soir, il y aura des lives et tout. Donc voilà, bisous. Bye bye.